Et salut à tous les gars, c'est Kilito. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match face à Arsenal et celui face à Wolverhampton. Les deux derniers matchs de cette année qui vont décider, eh bien, si oui ou non, nous allons aller en Coupe d'Europe avant même la finale de FA Cup. Parce que sinon, si on n'y arrive pas par le championnat, il restera quand même une place en FA Cup. Hein. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement. Si on gagne, on va en Europa. Et si on perd, eh bien, la septième place sera qualificative pour l'Europa League. Donc, quoi qu'il arrive, on a deux chances. On a deux chances. On a le championnat et la Cup. Donc, bah, ce serait bien déjà d'assurer la septième place. Voilà. Parce que si on assure la septième place, c'est bon. Voilà. Sixième, septième, c'est bon. Donc, il faudrait assurer au moins la septième place. Pour l'instant, on est bien placé, il nous reste deux matchs. On a deux points d'avance sur Aston Villa. Donc deux points suffiraient à être qualifiés puisque Aston Villa a déjà joué son match. Nous, on joue notre match en retard face à Arsenal tout de suite. Donc si jamais on fait une victoire, on est assuré d'être septième. Et à ce moment-là, bah, ce sera sixième ou septième, on verra bien. Et donc, eh bien, on va jouer face à Arsenal. On va jouer face à Arsenal, donc mesdames et messieurs, bah, il faut être bon quoi. Ah, il faut être bon en fait, hein, c'est obligé d'être bon. Et puis bah, il faut mais nos confrontations face à Arsenal, je crois que c'était toujours très très bon de mémoire, hein, mais il me semble qu'on a très souvent gagné hein, face à Arsenal. On va regarder ça ensemble. En tout cas, on a très peu perdu, je crois. Je suis même pas sûr en fait, hein, je suis même pas sûr. Là, le jeu, il met 20 ans à le faire, voilà, ça y est. Donc, on a fait quand même. Ah non, on a fait 3 victoires et 4 défaites quand même. Ah, ouais, donc c'est assez serré, hein. On pourra revenir à égalité. Mais par contre, oula. Alors, par contre, les 4 derniers matchs, on les a gagnés. Non, les 4 derniers matchs, on a fait 3 victoires et 1 nul. Mais bon, avant, on a pris de belles branlées quand même. Hein. 6-2, 5-1, 6-2. Ouais, on a quand même pris de belles branlées. Ah bon, le top du top, je pense que. Enfin, le top du top serait une victoire. Mais pour nous, je pense qu'un match nul, ça ferait du bien. Parce que deux matchs nuls sur les deux derniers matchs, on est assuré d'être qualifié. Donc si on pouvait arracher le nul à Arsenal, on mettrait la pression sur Arsenal aussi, quelque part, parce qu'ils devraient gagner le dernier match, ce serait obligatoire. Et je crois que leur dernier match, c'est face à Manchester United, de mémoire. Donc, ouais, voilà, c'est face à Manchester United. Et enfin, Aston Villa, eux, leur dernier match, c'est face à Tottenham, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est face à Tottenham. Donc, on a quand même de bonnes chances de se qualifier. On a quand même de bonnes chances de se qualifier, et il le faut, parce que bah, il nous faut une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Hein. Sinon, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on va devoir prêter d'autres gars et tout. Enfin bref, ça va être la merde, parce que je ne pourrais pas faire tourner autant que je veux. Donc bon. Il va falloir aller chercher bah, ces deux points qui nous manquent. Donc, bah, allons-y, mesdames et messieurs, c'est parti, hein, match face à Arsenal. Et puis, bah, on va se retrouver après, mais avant, on va regarder qui a été sélectionné pour jouer ce match. Donc, nous n'avons pas de blessés, donc tout le monde est sélectionné. Je n'ai pas pris Dilerman hein, sur le banc. Bon. Voilà, mais il progresse bien, hein. Il progresse très très bien. Ça fait vraiment plaisir, putain, il est incroyable, je trouve ce jeune. Même si on m'annonce que 4 étoiles, je le trouve dingue, voilà, je le trouve vraiment bon. Donc on verra bien si je me trompe. À la fin, en tout cas, l'année prochaine, il devrait intégrer l'équipe. Surtout si on est en Coupe d'Europe. Sinon, bah, j'aurai un choix peut-être à faire. Mais normalement, il devrait intégrer l'équipe première bah, au moins dans la rotation. Donc, mesdames et messieurs, eh bien, on y va. C'est parti. Match face à Arsenal. C'est l'équipe classique qui joue avec notre flanc droit nouveau hein, depuis quelques matchs. On se retrouve du coup à la fin du match pour faire le débrief. Comme d'habitude, bon match à tous, les gars. Déplacement à Arsenal pour cette fin de saison de Zinzin. Sachant que si on gagne le match, on est assuré de terminer sixième. Montrez-moi que vous êtes capable. Vas-y, on va dire ça. Toi, faut être bon. Et toi, tu l'as dit, frérot. Allez, les gars! Allez les petits gars, gauche Esther, exactement. Bonsoir au passage, bah, bonsoir et bienvenue à toi. Je crois que c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi, Judoul. Allez, Galdur, Galdur Ingasson.
Pas de hors-jeu, s'il vous plaît. Bien joué ça. Allez, j'y vais. 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 Boum. Oh, j'y ai cru. Propos au coach avant même d'envoyer le premier message. Magnifique. Ah, c'est vrai. C'est... Boum. Dommage. Allez, petit gars. Allez, allez, allez. Bien joué, Diane. Bien joué, Tom-Tom. Non. Putain, mais Zorion, tu arrives pas à faire une déviation de la tête dans la profondeur, frérot. Quand tu joues dans ses pieds. Franchement, le mec, il a 15 en tête, gros. Ou 14, un truc comme ça. Il pourrait faire un effort hein, sur ce genre de ballon. Oh là 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 là, chatte à Maurice hein. Tu sais si les filtres d'organisation d'affichage se transfèrent de FM en FM, 23-24 par exemple. Je crois que oui. Il y a moyen, ouais. J'ai cru qu'il allait faire une dinguerie. 6-0, 6-0. Bien joué, 6-0. Bien joué, Zorion. Oh, mais c'est pas possible. Putain. Ouvre ton putain de pied. Putain, que tu tires au premier poteau. Créatif. Ah non, il sort bien. Ah, le ballon qu'il lui donne dans la profondeur. Magnifique, quoi. Allez, gars, allez, allez, ça va craquer. Oh là là là, Zorion, il fait un sale match. Il a 6,8, mais je le trouve pas bon. On va dire qu'ils font un bon match, hein, parce que je fais un bon match quelque part. Un nul, c'est pas mal en vrai, non? Bah. J'arrive sur le match à pas perdre, là, exactement, Pippo Zaghi. C'est le match à surtout pas perdre. Voilà. Ouais. Reste à terre, on t'a dit. Putain, Michela, il est pas bon. Zorion, 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 trop tard. Oh, c'est pas mal, ça. Ouh. Oh, dommage. Putain, c'est ton pied droit, si tu frappes. Prends pas ton pied gauche. Couché, sale bête, exactement. Reste à terre, on t'a dit. Non. Ah, bien joué. Encore, encore, encore. Bat-toi, le laisse pas dribbler, laisse pas dribbler. Oh, bien joué, mais gros. Ah, c'était sûr, j'avais craqué. C'est certain. C'est... Bah ouais, bah ouais, bah ouais, en fait. Bah ouais. 1m96, bah ouais. C'était sûr. Hein. Ouais. Vas-y, casse-toi, toi. Casse-toi. Il m'a gonflé. Toi aussi, casse-toi.
Alors je joue direct, hein, zon maintenant. Je vais relancer sur. En vrai, si je relance sur lui. Si je relance sur lui, il y a lui qui peut partir profondeur et lui aussi. Ah putain, si je remonte ma ligne de défense, l'enfer sur terre. Ouais. Les changements confirme-les parce que ça m'énerve quand ça confirme pas le changement. Deuxième mi-temps horrible. Dégage-moi ça, dégage-moi ça, malheur. Allez, gars. Voilà, c'est obligé de dégager long. Allez, allez. La chambre dans le stade en plus, ça. Bah ouais, ouais. Ah, mais putain. Ah ouais, bah ouais, j'ai remonté la ligne de défense. Oh là là là, putain, mais belle rose. Mais qu'est-ce qu'il fait, gros? Sans déconner, frère, il est gaucher, lui. Il a les deux pieds, frère. Il a les deux pieds, il peut pas dégager en touche. C'est un truc de fou, quand même. C'est quoi ce délire? Petit filou a flippé, il commence à me casser les couilles. Vas-y, climax, hein. 4 Zorion, quel fils de pute. Il est pas bon là. Quel match de merde. Putain, on fait une bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps, on était complètement inoffensif, quoi. Un vieux pourri, gros, et derrière. Hein. Non, c'est de la merde, les gars. Ouais, mais toi, t'as été nul à chier, frérot. Tiens, prends ta bouteille dans ta gueule. T'es démotivé, là. Peut-être te motiver un peu. Ça, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la terrible défaite. Ah, celle-là, elle fait du mal. Celle-là, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Eh ben, on a été mauvais hein, dans ce match, une fois de plus. La fin de saison est très mauvaise. J'espère qu'on va vite, qu'on va se remettre d'aplomb là, parce que là, ça commence à sentir la merde. Hein, ça pue la merde, mais façon hardcore. D'autant qu'Arsenal a joué son dernier match face à United. Et Arsenal a déjà gagné. Voilà. Donc Arsenal, déjà, on ne peut plus aller les rechercher. Donc, bah, c'est la merde. C'est la merde grave. Maintenant, un match nul ne suffirait pas en cas de victoire de Aston Villa, mais Aston Villa joue Tottenham, donc on peut se dire peut-être, bon, allez, Tottenham, ils vont faire quelque chose. On va voir, en tout cas, nous, eh bien, on va se déplacer à Wolverhampton. Wolverhampton qui est sur la fin de saison un peu mieux, avec sur les trois derniers matchs, deux victoires et un nul. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, au classement, on n'a que 2 points d'avance, eh bien, sur Aston Villa. Donc il va falloir gagner ce match face à Wolverhampton pour être assuré de terminer 7e. Sinon, eh bien, tout dépendra du résultat d'Aston Villa. Si Aston Villa ne gagne pas, ils ne passeront pas devant nous. Donc on va voir ça ensemble, hein, mesdames et messieurs. Ouais, on va voir ça ensemble. Hein. C'est un peu le match de la peur, là, parce que sinon, si on termine 8e, ça nous oblige à gagner la FA Cup, quoi. Donc ça foutrait un peu la merde. Ça foutrait la merde. Mais bon, on aurait encore une chance. On aurait encore une chance. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, tous les matchs sont à jouer en même temps, sauf le match, bien sûr, de Arsenal et de Manchester United qui a déjà été joué. Donc, Arsenal, ils sont assurés d'aller, d'être à la 6e place et donc d'aller en Europe. Donc, bah, GG à eux, mais bon, ça fait chier pour nous.
Et eh bien, nous, on se déplace avec aucun absent. Encore une fois, donc Matt Jackson, Lawrence sont là. Enfin, voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là. On n'a pas de blessés, on n'a pas de suspendus. J'ai peur. C'est le match de la peur, les gars. C'est le match de la peur. Je ne vais pas vous mentir. C'est le match de la peur. C'est le match de la peur. Donc là, il va falloir faire quelque chose de bien et surveiller dans le même temps ce que fait Aston Villa. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti pour l'épilogue de ce championnat. Avant eh bien, de se retrouver dans la prochaine vidéo pour la finale de la FA Cup, eh bien, on va déjà essayer d'assurer notre place en Europe par le championnat. Donc c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes tous derrière nos joueurs de Chester le Street qui ont beaucoup de mal en cette fin de saison. On a besoin de vous, les gars. On se retrouve à la fin du match pour faire le débrief. Comme d'habitude, bon match à tous. Du coup, mesdames et messieurs, c'est le dernier match de championnat avant la finale de FA Cup. Je sais pas quoi leur dire. Je vais leur dire que ça n'a pas de pression pour moi. Parce que visiblement, ils étaient anxieux le match d'avant. Donc... On va essayer ça, on verra bien. Dans le casque, pourquoi? Bah j'entends, j'entends. Mais il y a juste... bah j'entends, j'ai le son du jeu, j'ai tout ça. Ah, le cul de l'Allemagne, ils me volent tous mes bons jeux avec la Turquie. Ah, ça. Et la défaite, bande de fumiers. Alors, faut surtout... Tottenham. Là, on est, on n'a jamais été autant Spurs que maintenant. Il faudra qu'on mette... le classement en direct. Enfin, pas le classement, les résultats en direct. Allez, avec JV. Avec JV. Qui envoie Zorion. Zorion. Il est droitier en plus. C'est... Il y a un bug, je suis remplaçant, c'est normal. Allez, Arlox. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dur. Tottenham perd. 1-0 pour Aston Villa. Oh, mais le rose. Ah, vas-y. Allez, les gars, oh! Ah, ils ont tous les contres! Bah ouais, mais gros, ils ont tous les contres favorables, frère! Putain, mais comment ils ont fait, là, pour... Ah, la passe, elle est magnifique et lui il dort. Casse-toi, gros. C'est bon. Arrête de dormir, gros. Tu me saoules, casse-toi. Ah, il m'énerve. Je veux moi qu'il parte, lui, parce que je me plein le cul. Mes défenseurs sont nuls, je crois que l'année prochaine je vais faire confiance aux jeunes, au petit Okeke là. Qu'est-ce que je dois leur dire à la fin? Qu'est-ce que je dois leur dire à la mi-temps? Parce que là mes joueurs ils sont complètement à côté de leur pompe encore une fois quoi. Mais pourquoi lui? T'es attaquant de pressing frère, que tu fais là ou...
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer là, la fin de saison, ça me rend fou. Oh là 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 là! Écartez-vous! Écartez-vous! Il est de retour! Il est de retour! Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ah, Tottenham, un petit but avant la mi-temps, s'il vous plaît. Faites-moi espérer, parce que là... Pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute ici. Ah. Défendez, défendez, défendez. Défendre pas. Ah, je te jure, j'en ai marre. Le problème, c'est que je mette n'importe qui en défense, y'a rien qui va là. Toi aussi, le bouche au cul, et toi, s'il te plaît, gros. Fais ton putain de pressing. Te demande de faire un pressing, fais-le. On va demander le fameux pressing sur tout le monde, le gardien compris. Ça donne quoi à Tottenham? 2-0. Oh là là là, la défense catastrophique, gros. Mon Dieu. Je t'assure, je vais passer en très offensive, hein. Allez, Mike Smith. Allez. Oh là 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 là. Allez, où tu fais les trucs en bande, là. Michel, il est pas bon, hein. C'est, cette fin de saison, elle est catastrophique de Michel. Lui, il a marqué le but, là, mais... C'est vraiment... Qu'ils font là. C'est qui lui? Non mais regarde-moi ça, frère. Parle du 13e du championnat, gros. Je sais pas comment jouer plus offensif que ça, les gars. Je jure que c'est vrai. Je vais me faire prendre dans le dos, je vais faire ça, mais... Monter le pressing à fond, je sais pas comment faire d'autre. Bon, on va faire des changements, là. Petit Max, Zorion, casse-toi. C'est bon. Zorion, casse-toi. Toi, Kieran Dien, casse-toi. Et hop, fais tous les changements. Plus de discipline, peut-être. Ah, plus de discipline... Je sais pas en vrai, hein. Je leur demande de faire du pressing, ils en font pas. Je sais pas si soyez plus disciplinés, ça va les encourager à faire du pressing. Ils refusent complètement de jouer là, mes joueurs.
passer à trois attaquants pour le dernier quart d'heure là. Pardonne lui. Non, mais qu'il est con, hein. Oh, il me rend fou à faire ça, gros. Joue le ballon dans la surface. Ah là là, centre à terre, on t'a dit. Joue le ballon dans la surface. Plus rapide, et on va passer à trois attaquants. Ah là, c'est parti. Là, c'est, là, on y va, quoi. Là, on y va. Ah, c'est tout pour l'attaque, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. C'est vraiment du troll ces derniers matchs. Bah, les gars, c'est le niveau réel de mon équipe. Voilà, c'est tout. On va faire beaucoup plus offensif là. Hein. Ah, je vais leur dire tous, prenez des risques, passe direct, tout. Tout, ils vont tout avoir. Là. Hop, 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 des passes directes pour tout le monde. Rien à foutre. Balancer devant. Voilà, le gardien. Balance sur lui. Le seul grand de l'histoire, donc. Et puis, bah, tant pis, hein, les gars. On y va comme ça. Hein. Hors jeu. Ah ! Arrête d'être hors jeu ! Allez, la même. Balance. Allez. Le problème, c'est qu'il ne balance pas sur le bon. Allez. Allez. Oh là là, mais... Lève ton ballon. Il y a un boulevard dans son dos. Lève ton ballon. Hors jeu. Ouais, on va avoir beaucoup de déchets, les gars. Hein. De toute façon, on le sait. Hein. Ah, je vais me faire punir, je pense. Allez. C'est terminé. Bon, bah, la qualif en Coupe d'Europe. On tue la balayette si on gagne pas la. Parce que là, ça va être quoi? Ligue des Champions, Europa, Europa. Ah non, ça va être mort. Et pour nous, la cup, bah j'espère. Hein. J'espère, j'espère. Hein. Ah, je mérite pas de gagner, hein, de toute façon, les gars. Vraiment, je mérite pas de gagner. T'es Aston, bah il gagne. Hein. Ah, ils ont gagné. Hein. Ah, ils ont gagné. Hein. Tant pis, hein, falloir gagner l'autre. Hein. Oh la vache, ça, les notes. Oh là 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 là. T'es nul, gros. T'as marqué un but, t'as 6,6, frère. T'es nul. C'est tout. La fin de saison est catastrophique. La fin de saison est catastrophique. On n'a rien fait dans ce match. Rien, encore une fois. J'ai l'impression que mes joueurs, ils ne veulent plus jouer. J'ai l'impression qu'ils sont dépités. Il n'y a rien qui va. J'avais fait des réunions. J'avais tout fait, hein, les gars. J'ai tout tenté. Hein. Et malheureusement, bah, dans le match, j'ai pas trouvé de solution, encore une fois. Absence d'idées pour changer des choses. Et enfin, en tout cas, pour débloquer la situation. Et c'est une défaite bah, amplement méritée.
Voilà, 2,54 d'XG pour eux, 3 buts, 0,89 pour nous, 1 but sur notre seule frappe cadrée du match. Bon, c'est dur, mais bon, voilà. Hein. Puis, Colby Minchella, il est qu'à 18 buts cette année, là où il était à 32 l'année dernière, voilà. Hein. Donc, les gars, voilà, non, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça. Donc, eh bien, on va devoir aller gagner cette FA Cup. Hein. Maintenant, on n'a plus le choix. Hein. Voilà. Sinon, on ne sera pas en Europe, puisque Aston Villa a gagné de son côté. Donc, Aston Villa nous passe devant. Et on est donc en 8e position. Donc là, pour l'instant, on est à la place du con. Donc, il nous manque 2 points hein, pour être 7e. Bon, il va falloir espérer que ça se passe bien. Hein, parce que voilà, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on a fait que 60 points. Là où l'année dernière, c'était combien? L'année dernière, c'était 72. Hein, donc on prend 12 points de moins que cette année par rapport à l'année dernière. Je pense que la Ligue des Champions, il est pour beaucoup, les gars. Sincèrement, je pense que voilà, la Ligue des Champions, c'est dur. Et ça fatigue. Et moi, j'ai pas l'équipe pour jouer à fond la Ligue des Champions, plus le championnat, etc. Donc, j'ai perdu des points, des moments. Puis, en fin de saison, je pense qu'ils sont morts, mes joueurs. Même si j'ai bien géré la fatigue et tout, à la fin de saison, je pense que voilà, ils ont joué, il y a trop de matchs pour eux. Par rapport au niveau qu'ils ont, etc. C'est surtout ça le problème. Donc là, c'est très compliqué. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir aller en Europe. Hein, sinon, ça va vraiment foutre la merde. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ailleurs en Europe. Comme ça, dans la prochaine, on n'aura pas grand-chose à vérifier. La Bundesliga. Le Borussia Dortmund a fait tomber le grand Bayern Munich, mesdames et messieurs. Le Borussia Dortmund a fait tomber le grand Bayern Munich. Ça y est, ça c'est ce qui... Voilà, ça me rend heureux. Ça c'est comme si j'avais gagné la Ligue des Champions. Ça y est, après 19 ans, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Après 17 ans, le Borussia Dortmund réussit à prendre un titre au Bayern. Et ça, ça fait plaisir. Donc, c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose de voir ça, voilà, ça change un petit peu. On voit qu'en Italie, c'est l'Inter qui a repris son titre, et de quelle manière, hein, 100 points, 33 victoires, 1 nul, 4 défaites pour l'Inter, c'est assez incroyable. Ils ont perdu contre la Fio, Sassuolo, Cagliari et Naples. Sassuolo 4e, on va chez Sassuolo 4e, dit Gérard Lopez. Prise de fonction du nouveau président Gérard Lopez. Ah ouais, c'est lui. C'est bien lui, hein. Le luxembourgeois. Ouais, c'est incroyable, hein, quand même. C'est incroyable qu'il soit Gérard Lopez, con. Oh là là, bordel. Gérard Lopez qui a pris sa solo. Putain, je voulais regarder s'il y avait un mec plein aux as qui était là-haut. Gérard Lopez. Oh bordel. Ah, je suis pas fou. Enfin bref. Donc Naples 3e, Sassuolo 4e, Milan 5e, Salento dit, putain, non, pas de racheter par des mecs plein aux os, ni rien, c'est une dinguerie ça, Salento 5e, dis donc, l'Atalanta, alors la Roma ils sont loin, la Lazio sont loin, Parme redescend, Spal et Cremonese, l'Udinese a eu chaud, hein. c'est fou ce qui se passe là-bas. Première division espagnole a été remportée par encore le Real Madrid. Alors, ça fait 7 ou 8 d'affilée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'affilée. Ouais. 7 d'affilée pour le Real hein, qui assoit sa domination. Et puis, 29 victoires, 7 nuls, 2 défaites seulement. Hein, donc, voilà. Et en France, oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. C'est bien Angers, champion de France. Donc, voilà, on sera fait battre par le champion de France cette année. On aura battu le dauphin du championnat de France, on aura battu le dauphin du championnat d'Allemagne, on aura éliminé le champion d'Allemagne qui a fait tomber le Bayern quand même en Ligue des Champions, et ça c'est beau. Et on est tombé contre le finaliste de la Ligue des Champions. Ouais, quelque part. Quelque part, j'ai envie de te dire, c'est Manchester City qui a remporté cette finale face à l'Ajax, hein, qui nous ont éliminés. Qu'est-ce qui s'était passé en quart du coup? L'Ajax a battu la Juventus, ok. Benfica a sorti Leipzig. Le Bayern a sorti Hoffenheim. En demi-finale, l'Ajax a battu Benfica. Et City a battu le Bayern. Ils ont gagné 3-0 le match aller. Ils ont perdu 2-0 le match retour.
Mais bien, ça suffit pour se qualifier et l'Ajax était passé au tir au but face à Benfica et malheureusement tombera en finale face à City. Donc nous, ça nous arrange un petit peu. Ça nous arrange en fait, on s'en bat les couilles parce que voilà. Mais du coup, la cinquième place est bien qualificative pour la Champions League. La septième place est qualificative normalement pour l'UEFA Europa League si jamais Liverpool gagne. Mais si nous gagnons, eh bien c'est nous qui irons en Europa League. Donc ça va être le moment de, c'est le moment de sortir le bois de chauffe hein, bientôt hein, les gars. Hein, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Donc c'est dans la prochaine vidéo. Donc attention. Hein. En Europa, qui a gagné en Europa? Eh bien c'est Manchester United qui a gagné l'Europa League face à Hambourg. Et je crois que c'est Stuttgart qui a gagné face au Sporting Portugal la Conference League. Donc, eh bien, mesdames et messieurs, on va se quitter ici simplement. On va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo pour le match de la finale de FA Cup face à Liverpool. Liverpool qui ne nous réussit pas trop, mais on a enfin réussi à gagner 3-0 face à eux cette année. Notre première victoire face à eux. Mais là, si on fait le bilan de la fin de championnat, c'est catastrophique, hein, les gars. Il y a 1, 2, 3 défaites. 4-5 défaites sur les 8 derniers matchs. 2 victoires seulement et un nul. Donc, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Donc, vous voyez que j'ai fait déjà des matchs amicaux et tout. J'ai préparé le match de la FA Cup comme un zinzin. Parce que là, il faut absolument qu'on passe. Il faut absolument qu'on gagne cette coupe. Ça nous ferait bien la réputation et ça nous emmènerait en Europe une fois de plus. Donc, mesdames et messieurs, on se laisse ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire, du coup, cette finale de FA Cup. Ensemble, vivre notre première grande finale ensemble avant de passer sur la saison prochaine et voir si oui ou non nous serons en Europe. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. On va passer du bon temps sur le jeu. Des bisous et ciao.